Hi everyone, I'm Maya and I'm French, and in today's video I'm going to speak just in French and I'm going to show you my makeup bag. And yeah, it's just a simple video for you to practice hearing French. Little disclaimer before we start, none of these brands sponsored this video and none of these products were gifted to me. I bought everything with my own money, so yeah, just wanted to make that clear. Guys, we have some ebooks and e-courses you can learn French with, but first, make sure you try our free e-course at streetfrench.org. Alors, on peut parler un peu du maquillage. Moi, je mets jamais de fond de teint, le fond de teint, on dit. Je mets juste de l'anti-cerne, sous mes yeux, et je mets de la poudre libre. Alors, ça, c'est la première fois que je teste de la poudre matifiante sans couleur. Donc, c'est juste de la poudre blanche, comme ça. Et ça, c'est juste pour matifier et, ouais, voilà, pour fixer l'anti-cerne. Donc, ça, c'est un nouveau produit que je teste, qui est bien, j'aime bien. C'est un produit vegan, c'est un produit bio, je pense, aussi. Est-ce que c'est bio? Je sais plus. Peut-être pas en fait. Du coup, j'ai mon pinceau, hop, je prends la poudre et je mets sur mon visage. Donc ça, hop. Parfois, je mets de la bébé crème sous les cernes aussi. Mais je mets pas de la bébé crème sur tout le visage, jamais. Donc là, c'est une bébé crème aussi bio. Voilà. Parfois, quand on filme des vidéos, je mets ça, c'est un correcteur vert, parce que j'ai plein de petites taches rouges, des veines et tout ça, donc j'essaye un peu de corriger, mais bon, ma peau elle est plutôt naturelle, mais ça c'est vraiment juste quand on filme des vidéos. Donc, voilà, vous voyez, je ne l'ai même pas utilisé, il est encore tout neuf. Et je pense qu'il y a un truc qui est assez intéressant en France, culturellement. Notre maquillage est souvent assez simple et sobre. Si on compare au style de maquillage en Amérique, par exemple, ou même en Angleterre, c'est très différent. Bien sûr, chaque femme peut faire le maquillage qu'elle veut, mais en général, c'est différent. Donc en France, souvent, c'est juste un trait d'eyeliner, du mascara, un peu de poudre, on blush, elles mettent tout, hein, bien sûr, mais c'est des petites doses, et voilà. Et si le soir on veut sortir, on garde le même maquillage, mais on rajoute un rouge à lèvres, et voilà. Je pense que c'est intéressant de savoir les différences culturelles avec le maquillage. Parfois, dans les commentaires de nos vidéos, il y a des gens pas très sympas, qui me disent d'aller me maquiller parce que je suis pâle. Parfois, je leur réponds juste en disant que c'est une différence culturelle. En France, on se maquille pas pareil qu'ailleurs. Et moi, personnellement, j'aime pas avoir trop de maquillage. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. En général, je mets juste un trait de crayon marron. Ou aujourd'hui, j'ai mis un trait de eyeliner noir. Donc ça, c'est du crayon. Et ça, c'est eyeliner. On utilise le mot anglais. L'eyeliner. Le eyeliner devient l'eyeliner. Hop, ça c'est l'eyeliner. Ça, c'est quand je veux me maquiller un peu plus. Et là, c'est mon crayon qui n'est pas taillé. Il faut que je taille mon crayon. Tailler le crayon. Donc voilà. Et sinon, un autre truc que j'adore, c'est le crayon fard à paupières. Donc c'est juste les crayons comme ça. Hop, je mets une fois du mascara et c'est fini. Moi, je n'utilise pas les palettes. J'aime pas trop, en fait. C'est pas mon style. Mais j'aime bien avoir un peu de fard à paupières brillant. Et souvent, j'ai un marron comme ça, un peu taupe. Et j'en ai un autre qui est joli, qui est vert. Qui est kaki en fait, qui est joli avec la couleur de mes yeux. Et donc je mets ça et du mascara. J'adore le mascara, c'est vraiment mon
produit de maquillage préféré, je pense. Ouais. Je n'utilise pas les faux cils, j'utilise pas ça. J'utilise pas non plus la pince pour courber les cils, ou le courbeur de cils, je sais même pas comment ça s'appelle, mais le truc là pour courber les cils, j'utilise pas ça, juste du mascara et ça suffit. Voilà, ça c'est pour mes yeux. Sinon pour mes sourcils, alors ça c'est les cils, on met du mascara sur les cils, et là c'est les sourcils. Sur les sourcils, je mets un peu de fard ou de poudre marron, donc la plus claire là-haut. Juste pour remplir, parce que parfois il y a des trous, bon voilà, mais ça c'est pas obligatoire, mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Et sinon, en dernier, j'aime bien utiliser du blush. Alors là, c'est un crayon blush, un crayon lèvres et joues. Donc ça, c'est les lèvres et les joues. Normalement, j'utilise du blush en poudre, mais je voulais essayer un nouveau type de blush. Un blush comme ça, un peu gras, un crayon. Donc voilà, c'est pas mal. Salut tout le monde, c'est Maya qui monte la vidéo, la Maya du futur. En fait, j'ai découvert un nouveau produit que je préfère pour les lèvres et les joues. C'est un lip tint, c'est quoi? C'est une encre, un blush liquide lèvres et joues. Et c'est trop cool, tu mets juste un peu de liquide sur tes lèvres et après ça part pas, ça reste, c'est trop bien, j'adore ce produit. Et oui, je peux en mettre un peu sur les joues et c'est assez léger. Ouais, en fait, j'étais pas très contente du crayon que je viens de vous montrer. Je sais pas, j'aimais pas trop la couleur ni l'effet et ça, c'est trop bien, enfin, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vais vous laisser regarder le reste de la vidéo. Ok, bye. Et dernier produit, après j'arrête, c'est mon parfum, que j'adore. C'est Valentino, Donna Acqua. Pour la petite histoire, j'ai toujours porté des parfums à la fleur, des parfums floraux, surtout à la rose. J'ai toujours adoré cette odeur. Et puis après j'en ai eu marre, j'étais un peu fatiguée de cette odeur. Et j'ai jamais trouvé un nouveau parfum qui m'intéressait. Je pense que c'était l'année dernière que j'avais envie de trouver un nouveau parfum. Et je suis allée dans un magasin et j'ai dit « Est-ce que vous pouvez me conseiller un parfum qui a des notes de fleurs ?» Parce que j'aime ça, mais pas que. Un truc un peu sucré, mais pas trop sucré. Donc j'ai dit peut-être un truc qui sent la vanille ou quelque chose comme ça. Et la vendeuse m'a conseillé ce parfum-là. Et il est vraiment parfait, c'est exactement ce que je cherchais. Il y a des notes. Quand on parle de parfum, on parle de notes, comme pour la musique. On dit qu'il y a des... Donc pour ce parfum, il y a des notes de poire, d'amande, de jasmin. Il est vraiment, vraiment super. Il est sucré, mais pas trop sucré. Parce que je déteste les parfums trop sucrés. Je suis très fan de ce parfum. Donc voilà, c'est tout pour ma trousse de maquillage slash trousse de toilette, etc. J'espère que c'était intéressant. Je pense que c'était une manière intéressante d'apprendre du vocabulaire et d'apprendre des phrases autour de tout ce, de tout ça. Si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos comme ça, donnez-nous d'autres idées dans les commentaires. Si vous voulez continuer à apprendre avec nous, vous pouvez aller sur notre site www.streetfrench.org streetfrench.org et on a plein de cours vidéo et de e-books et surtout des cours vidéo gratuits pour vous si vous voulez voir comment on enseigne et puis apprendre des nouvelles choses. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, on est très présent là-bas, on poste presque tous les jours des vidéos, des choses qu'on crée, mais aussi des vidéos françaises qu'on aime regarder. Et si vous voulez nous aider, aider streetfrench.org, aider Charlie et moi, vous pouvez aller sur Patreon, on a plein de trucs cool là-bas, surtout un chat privé avec nos Patreons.
Ça vous permet d'être en contact avec nous. Et voilà, vous pouvez nous aider là-dessus si vous voulez, si vous le souhaitez, et bien sûr si vous le pouvez. Aucune pression, bien sûr. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut, bye bye!